Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. C'est de la montagne aujourd'hui. L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col, mais cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général. J'espère que vous êtes en forme, car il va falloir défendre le maillot jaune. On devrait pouvoir le conserver sans trop de soucis. Si on contrôle bien la course, on peut même envisager de faire un top 5. Bonne journée les gars, allez allez! Yo, c'est tout le monde, c'est Ertrans, je suis aujourd'hui pour la 18e étape de ce Tour de France 2019 avec la Groupama FDJ. Donc j'ai eu un petit problème avec le son, donc du coup je fais donc la partie son donc en décalé, donc j'ai la vidéo sous les yeux, donc je vais la commenter avec vous, donc ça peut faire un autre type de commentaire, ça peut être sympa. Donc on va lancer l'étape, voilà. Donc on va aller checker les favoris de l'étape. Normalement le chargement ça devrait passer. Allez, charge. Et du coup juste donc on est là donc en IRL, on est au sort de la 18e étape, donc Simon Yates, Valverde, Bardet. Ouais, bah Bardet c'est pas faux, hein. au vu de son étape en IRL, c'est pas faux. Simon Yates moins, et Valverde il a un peu craqué aujourd'hui. Mais non, mais donc on est au soir de la 18e étape là, en IRL, et donc bonne forme pour Thibaut Pinot. Et ce que fait Alaphilippe c'est monstrueux, hein. Franchement, faut reconnaître que plus que deux étapes, on commence à y croire les amis, hein. Franchement, on commence à y croire. Et on va aller... Pinot une bonne forme, Mollard mauvaise forme. Donc c'est assez dur à jauger. Kung, tous nos autres coéquipiers ont des formes normales. Hein. Il n'y a que Pinot et William Bonnet. Bonnet, on peut pas l'enlever en échappée, bien sûr. Donc on va garder. On va sûrement. On devrait faire une bonne place avec Thibaut Pinot, je pense. Puisqu'on descend plutôt bien. Et on va pas se mentir, je pense pas qu'on se fasse lâcher avec cette forme-là dans le col. Donc on devrait faire une bonne place, je pense. Et on a quand même, on doit gagner du temps avec Thibaut Pinot, c'est notre objectif sur Thomas et Nibali. Et marqué avec Reichenbach, on doit prendre l'échappée du jour. Mais je sais pas encore si je vais le faire parce que Reichenbach il est assez loin au maillot à poids. Donc il va falloir voir ça, voilà. Donc gagner du temps sur Nibali et Thomas. Mesdames, messieurs, bonjour. Et on va lancer. C'est une étape de très haute montagne qui attend aujourd'hui les coureurs. Avec les cols de Vars, d'Izoard et du Galibier, on a trois cols qui culminent à près de 2000 mètres. Après ça, nous devrions y voir plus clair chez les prétendants à la victoire finale. Ah ouais, c'est sûr. Mais en IRL, ça n'a pas tellement fait bouger les choses. Hein. Il y a juste Bernal qui a repris une trentaine de secondes. 32 exactement, je crois. Mais sinon, le reste, ça n'a pas bougé. Hein. On va faire rouler tout simplement pour s'assurer la victoire. Parce qu'on va pas se mentir, ce serait sympa d'éviter... D'éviter le victoire de l'échapper avec une forme comme ça. Et ça nous permettrait d'avoir on est, je crois, déjà à 3 victoires d'étape, si je dis pas de conneries. Ou 4. Non, on doit être à 3 victoires d'étape. De mémoire, on a 3 victoires d'étape. Donc. Et j'avais annoncé 5 en début de tour, donc ce serait bien d'aller la gagner, celle-là. Avec cette forme, il y a moyen en plus. La petite 4ème victoire d'étape. Devant, oui, ça va, ça... Démarqué qui nous joue le maillot blanc à poids rouge, bien sûr. Mais il y a deux couleurs catégories, donc c'est 50 points à aller chercher. C'est juste con qu'ils aient pas fait dans le jeu les 25 points au sommet. Enfin, les points doublés, pardon, sur le dernier sommet. Parce que là, le truc, c'est qu'il y a que 25 points. Alors qu'en IRL, il y avait plus, je crois. Il me semble, au sommet du col... Il me semble, le dernier col, c'est le Galibier. Je crois que c'est... Le premier, alors je sais pas ce que c'est, le tout premier là, celui qu'on s'apprête à gravir dans quelques secondes là. Alors le deuxième c'est l'Izoard. Et le troisième il me semble c'est le Galibier, à checker mais... Donc col de Vars là, à 10,4 km à 7%. Donc c'est vraiment la fin qui est très dure, le début est plutôt cool. Donc voilà, on va se retrouver à 2 km puisqu'on a fait rouler, on va aller chercher les points du grimpeur. Hein. On va essayer de ça. Voilà, alors. On va demander à Reichenbach d'appuyer un peu. Parce que nos autres coéquipiers sont un peu cramés. Hein. Et on n'arrivera pas à les retrouver sur cette montée. Donc on va attendre, je pense. Là, on reprend juste pour prendre le gel bleu. Mais 2,42, c'est beaucoup trop loin. Après, on peut toujours s'amuser à faire les points. Peut-être, je pense, c'est ce qu'on va faire. Tout le monde gel bleu, voilà.
Et tout le monde a 90, voilà. On va pas passer en tête, je crois qu'il y avait que 2 ou 3 points peut-être à prendre, donc c'est pas énorme. On va pas se crever, on va plutôt s'économiser pour le prochain col, l'Izoard, très très dur. Je crois à un moment en IRL, ils étaient plus que 13. Donc c'est dire à quel point c'est dur. Après, l'Izoard a fait plus mal que le dernier col, c'est dire quand même. Ah ça c'est chiant, Reichenbach, mais les deux ils sont devant. Voilà, je viens de m'en rendre compte là. Ça c'est vraiment chiant, ça. Des fois les gars quand on fait rouler, ils partent. Alors j'ai oublié de faire attendre Reichenbach aussi. Ils vont pouvoir récupérer de quoi s'alimenter. Voilà, Reichenbach t'attends. Voilà. Allez encore. On le voit là avec son maillot de champion de Suisse. Le groupe maillot jaune est maintenant à 1 minute de la tête de course. Ouais, on devrait le rattraper, non? On devrait rattraper l'échappée dans ce col. Allez, ça roule. La chaîne marque qui fait un bon taf. La Danus qui saute, mais bon, c'était attendu. Allez, j'ai le bleu donc pour Rudy Mollard quand même. On va lui demander de faire un effort, lui de toute façon on va le sacrifier, Rudy. Donc là, ce serait bien de revenir sur la tête. C'est statu quo un peu. Ça, le problème, c'est ça roule pas. On va pas sacrifier David Godu qui a le maillot blanc, bien sûr. David Godu, on va pas le sacrifier. Et derrière, statu quo. Donc ça nous arrange trop, pas trop. Et il a pas une avance débordante, hein, David Godu. Donc au moins, le bon côté, c'est que Demarquis est lâché devant. Et c'est lui notre principal adversaire pour le maillot blanc. Parce que pour rappel. Le maillot blanc à poil roux, le maillot blanc à poil rouge, pardon, on va le jouer avec Thibaut Pinot. On ne le jouera pas avec un autre coureur parce qu'on a. C'est lui le mieux placé, il me semble, et puis en plus, c'est lui le plus fort, hein, il n'y a pas à discuter. Donc si jamais on va chercher victoire d'étape à chaque fois, il y a moyen de prendre énormément de points. Donc, non, non, donc en vrai, il y a moyen de faire des bonnes choses, je pense, avec Thibaut Pinot, puisque les autres maillots, donc maillot blanc, c'est pour David Godu, et maillot vert, c'est pour Anthony Roux, ça, on ne le lâchera pas. Enfin bref, on lâchera pas, faut le tenir, mais ça devrait aller, je pense. C'est les traits, quoi, ça. Voilà, on va juste rattraper des marquis, juste voilà, pour qu'il reste dans le peloton et pas qu'il s'amuse à rouler. Comme ça, voilà, comme ça, on va pouvoir aller faire les points tranquillement. Sur leur catégorie, là, on récupérerait quand même 16 points, hein, ce qui est. Ce qui est quand même énorme. Ah, peut-être Yet. Non, non, Jardin, non, c'est Jack Egg. Non, il part pas, il compte pas partir. Ça rend statu quo. Hein. C'est impressionnant quand même comment dans le jeu, les coureurs, enfin, vraiment, ils font des statu quo, mais quand ils sont 50, une cinquantaine dans un peloton, quoi. Alors, je sais pas combien on est là, mais. Je crois qu'on doit être 50, 60 et c'est statu quo. On a les deux. Regardez-moi ça. Regardez-moi tout ça. On est 73 exactement. On a toujours 16 points à prendre. Après, ils ont un petit écart. Ils ont que 52 secondes l'échappée. Mais c'est déjà pas mal, hein. Garen Thomas qui. C'est original ça quand même. Non, il roule pas. J'espère qu'il s'est replacé. Je pense qu'il s'est replacé. Mais c'est. En vrai, sans équipe forte, parce que nous, il ne nous reste plus que Godu. On aurait pu le faire rouler, bien sûr. Hein, mais le problème, c'est qu'on le condamne si on fait ça. Donc. Ouais, t'essayes de rester dans la route coûte que coûte. Serait bien. Serait cool. Ah, un Ineos peut-être qui va rouler. Non, Pouls. Il se replace. C'est vraiment statu quo, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable.
Ça roule tranquille, ça roule vraiment à deux à l'heure, mais littéralement. Hein. Bah, nous, on va s'assurer juste la troisième position, sûrement. Hein. Juste vérifier que. Ouais, on check juste si le maillot à poids est pas dans le coin. Qu'il s'amuse pas à aller faire les points. Et l'écart réaugmente. Attaque de Zakarin. Zakarin qui a jailli. Démarqué qui part. Zakarin, je lui aurais pas sauté dessus, mais démarqué, oui. Donc, on va faire le sprint. On va même passer Zakarin. On lance de loin le vélo. On le lance de très loin. On va faire la descente tranquille. On va attendre le peloton. Voilà. Juste histoire de les calmer. Parce que là, ils doivent être tous en furie. Personne nous a sauté dans la roue quand même. Hein. C'est assez étonnant d'ailleurs, le maillot jaune qui part, voilà. On a rejoint le groupe. Enfin, le groupe nous a rejoint plutôt. À ne pas confondre. Et on va passer sur Rudy Mollard. On va le faire rentrer manuellement du coup. Ce qui pourrait encore servir Rudy. En essayant d'assurer les trajets. Bah nul, celle-là elle est complètement nulle. Allez, on relance un peu. On essaie de passer. Celle-là, elle est mieux. Celle-là est un peu mieux. Ouais, celle-là est pas mal. C'est pas de la grande descente pour l'instant. Ouais, ça, c'est une bonne trage. Ah non. Ah non, très mauvaise trage. J'arrive pas trop à descendre là avec Rudy Mollard. Ouais, mais c'est à cause de la forme. Hein, vous inquiétez pas. En bonne forme, je l'aurais bien conduit. Vous inquiétez pas. Non, blague à part. On devrait rentrer, je pense. Allez Rudy, allez. Allez, Wout Van Aert qui nous emmène. On va pas attendre. On est assez loin quand même du maillot jaune, donc il va falloir faire l'effort. Parce que là, bon, c'est la tête de peloton qui est à 2,05. Peut-être que la queue de peloton est qu'à. Bon, on la voit la queue de peloton. On est juste derrière. Voilà, et on est rentré. C'est bon. Mais le peloton est vraiment. C'est une file indienne le peloton. Entre la tête et queue de peloton, il y a un gros trou. Mais bon, on va pouvoir repasser tranquillement, je pense, sur Pinot. On va juste voilà, se replacer un tout petit peu dans le peloton. Ah, l'échappée, elle a quand même deux traces d'avance. Bon, évidemment, ce sera impossible de s'imposer avec ça, mais deux traces, c'est déjà pas mal. On va essayer de se replacer dans cette trage. Juste aller checker. Voilà, le classement du maillot en point rouge. Donc, démarqué est à 56 points. Donc, je pense que si on prend la tête du hors catégorie, ça devrait être bon. On va demander, donc on a repassé sur Pinot, on va demander à Rudy Mollard de rouler dans la plaine. Car de nos coéquipiers, c'est le moins fort. Et puis David Godu, encore une fois, on va pas lui demander de rouler. Il faut qu'il conserve son maillot blanc. Donc on va attendre que Rudy Mollard roule, vienne rouler. J'espère qu'il va se replacer assez rapidement pour assurer un écart, pas un écart justement trop important. Parce que si on laisse 10 minutes, enfin 2 minutes 30, ça passe. Si on commence à taper les 4-5 minutes, ça commence à être moins bon déjà tout de suite. Donc, assurer un écart voilà, de 2,31, c'est bien. Reichenbach, on a demandé aussi à Reichenbach de rouler un peu. Pour avoir un autre, voilà, ça devrait. C'est juste essayer de limiter vraiment les écarts pour pas que ça remonte à 4-5 minutes. C'est surtout ça le principal. Voilà, ça devrait bouger, je pense quand même. Hein. Ça devrait pas tarder à bouger. L'écart avec la tête ne bouge pas, les gars. Moscone, Katoski. Ouais, la Ineos est beaucoup plus forte dans le jeu qu'en IRL. Hein. Oh mon dieu, putain.
En IRL, là, c'est très friable tout ça. Hein. Après, c'est très friable, mais en même temps, ils sont quand même 2 et 3 du général. Donc, mais moi, je vois bien la Philippe. Hein. Cette année, franchement, il a une occasion d'or cette année. Hein. Enfin, une occasion d'or. Peut-être que s'il prépare vraiment l'école l'année prochaine, ça va être de mieux en mieux. Hein. Peut-être. Parce que là, enfin, remarque, apparemment, il les a bien préparés, mais je pense pas qu'ils aient le général au début. Il l'a défendu, hein, mais il l'a défendu un peu puisqu'il l'a chopé, donc autant le défendre. Et il s'est surpris lui-même et il nous a extrêmement surpris. Moi, déjà, j'étais extrêmement surpris dans la planche des belles filles. Mais alors là, enfin, ce qu'il fait, c'est juste énorme, hein. Et donc là, c'est un fou plat montant pour arriver au sprint intermédiaire. Et non, vraiment, ce qu'il fait, c'est monstrueux. Il lui reste plus que 2 étapes à tenir. Après, vous me direz, c'est pas 2 étapes de plaine, évidemment. Enfin, 3 étapes jusqu'aux Champs-Élysées, mais deux qui vont être. Ça va être un enfer pour lui. Hein. On va l'attaquer de partout parce que là aujourd'hui, en vrai, enfin, tout le monde est à bloc, mais ça a pas. Hormis Bernal qui attaque, ça a pas trop attaqué. J'ai peur que demain, après-demain, ça attaque de partout. J'espère me tromper. J'espère que ça fera un. J'allais dire un faux train, mais non, ça roulait très vite, évidemment, pour que à la flash sur la fin, mais il perd rien au final, donc sauf sur Bernal. Il perd, je crois, 32 secondes sur Bernal. Mais tout le monde perd 32 secondes sur Bernal. Après, j'ai aussi peur que Bernal soit le plus fort. Hein. J'attendais Pinot un tout petit peu meilleur, quand même, sur les Alpes, après ce qu'il a monté aux Pyrénées. Après, c'est peut-être qu'il a eu un jour, entre guillemets, sans. Par rapport à son niveau des Pyrénées, parce que clairement aux Pyrénées il l'aurait suivi Bernal là. Mais non non mais franchement faut voir, hein, faut. Il y a clairement moyen qu'il fasse 1 et 2. Hein. C'est pas impossible qu'il fasse 1 et 2 les Français. Hein. Et encore une fois, je me répète, mais si on enlève les 1,40 perdus par Thibaut Pinot sur la bordure, il sera à 10 secondes. Là on aurait Alaphilippe premier et Pinot à 10 secondes. Avec une 20, enfin avec une 30, enfin Alaphilippe avec une 30 d'avance sur Bernal et une 35 sur Thomas. Ce serait. Vraiment, j'espère vraiment que Pinot regrettera pas la bordure à la fin du tour. Et on fera les comptes à l'arrivée. Donc là, on va arriver au sprint intermédiaire. On va pas s'amuser à le faire, bien sûr. Donc nous on essaie de rouler à bloc juste pour pas trop perdre d'énergie. Il reste quand même 50 bornes dans cette étape. Donc au Mollard on lui a dit de tranquille. Donc les a en poids de mire. Donc il reste une 31 sur ce col. Enfin ils ont une 31 d'avance. Donc autrement dit, je vois mal comment ils pourraient aller chercher la victoire. Après, vous me direz, c'est Bookman devant. Sacré Bookman, hein, mais Bookman qui est en IRL et il doit être 6 à 2,14 toujours. Oh, Bookman, il était pas trop attendu. Hein. Moi, c'est pas celui. Enfin, vous me direz, Marc-Alaphilippe non plus. Mais non, non, mais même Kreuzweg, moi, je suis étonné que Kreuzweg soit aussi fort. Enfin, évidemment, à le voir dans un top 10, oui. Mais là, enfin, à jouer encore pour le maillot jaune, parce que clairement il joue pour le maillot jaune, je m'y attendais pas vraiment. Après, enfin, c'est pas le plus fort, Kreizwag. Hein. Il devrait reperdre du temps, je pense. Je pense qu'il fera pas podium. Thomas, je le vois pas non plus faire podium. Moi, vraiment, je pense le podium, je l'ai déjà dit d'ailleurs. C'est un Alaphilippe, deux Pinot. Et alors, j'aimerais une Bookman. J'aimerais vraiment beaucoup Bookman, parce que je déteste la Ineos. Mais je pense que ce sera plutôt Bernal. Je pense les trois devraient être sur le podium. Ces trois-là devraient être sur le podium. Alors après, l'ordre, je sais pas. Enfin, l'ordre, j'ai le cœur. Encore une fois, hein, ça se ferait un Alaph, deux Pinot, trois Bookman. Mais Alaphilippe encore en jaune aux Champs-Élysées, franchement, ce serait monstrueux. Enfin, ce serait l'un des plus grands exploits du sport, hein, clairement. Hein. On va pas se mentir. Hein. Parce que vu comment les maillots jaunes ont été gagnés ces dernières années, et vu comment lui il allait se le chercher, ça serait monstrueux.
Parce qu'il attaque, enfin, il a eu du panache, hein. Pour aller gagner comme il l'a fait, il a eu du panache plusieurs fois, donc il laisse le récupérer, mais jaune, tout le monde sait qu'il a attaqué, il les a sortis de la roue, il a attaqué, il a repris du temps. Non, non, franchement, c'est monstrueux, c'est affolant, franchement, c'est affolant ce qu'il fait. Il nous reste 43 bornes. De bande 5, ça il reste, ouais, il reste un peu, il reste un petit col, on va dire, et on revient donc à 55 secondes. Donc, l'échappée ne devrait pas aller au bout. Elle ne devrait pas aller au bout. Les AG2R, non, ils prennent pas en main. Ouais, ça fait un peu des faux trains en fait depuis tout à l'heure. C'est un peu je roule, moi non plus. Enfin, c'est tu roules, moi non plus. C'est un peu. C'est un peu des faux trains, enfin personne. En vrai, ce qui est étonnant aussi dans le jeu, c'est que personne essaie de me déstabiliser. C'est très bizarre quand même, parce qu'on a deux et quelques d'avance, je crois, au général. Et personne, parce que clairement, à ce rythme-là, on arrive à deux bornes du sommet, ouais, bah. Comme on y arrive, hein, deux bornes du sommet, tu peux pas faire de gros écarts. Enfin, vous me direz, Bernard, il a pris 30 secondes en deux bornes, mais. C'est vrai, parce qu'il était vraiment au-dessus. Mais si vous voulez faire des gros écarts, enfin, faut attaquer de loin. Pinot, quand il reprend. Quand il reprend. Alors je sais plus exactement combien il reprend, j'ai plus les temps en tête. Mais quand il reprend beaucoup de temps, c'est en attaquant à 6 ou 7 bornes. Et en ayant fait rouler avant. Hein. Je pense, je sais pas, à 10 km du col, ils étaient pas 40 hein, dans le peloton. Hein. Je pense qu'ils devaient être une vingtaine peut-être, un truc comme ça. Kreuzweg qui se replace. Ouais, Kreuzweg, il va passer or. Je pense les notes là des. Bah, Alaphilippe, il devrait. Alaphilippe, logiquement, il devrait être argent. Alaphilippe a un 80 en montagne. Alaphilippe, il devrait avoir 80. Moi, je trouve la bonne note d'Alaphilippe, ça devrait être un 80. Ouais, voilà. Nous voici dans la Un 80, 17e c'est journée bien. de l'étape. Kreuzweg à 81. 23 km de montée Thomas à 82. moyenne. Ce sera le Et jour. Bernal Pinot à 83 et Bookman à 82. Moi, je ferais ça. L'ascension est longue, mais plutôt régulière. Les 14 premiers kilomètres jusqu'au col du Lautaret ne sont pas très pentus. Les 5% de pente. Allez, donc 17 bornes 9 à 6,9%. Avec des pourcentages C'est. Ça va être long. d'ascension extrêmement Ça va être rapides. long, ça va être une très longue ascension. Là pour l'instant, le pourcentage c'est pas très élevé. On voit 5%, c'est raisonnable. On peut se permettre d'y aller tranquille. Hein. Reichenbach, il nous fait le tempo pour revenir sur les deux hommes de tête. Ah, ça va être Mollema, ouais, ça, Mollema à notre gauche. On a Fuglsang dans la roue qui malheureusement abandonné, pardon. C'était lors de. Bah, c'était hier, hein, je crois, hein, il me semble. Il me semble que c'était hier, c'était pas à Nîmes, je crois pas, je crois que c'était hier. Ah non, c'était peut-être à Nîmes. Je sais plus du tout. Non, 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 c'était à Nîmes, c'était à Nîmes. Non, ça devait être à Nîmes, ouais. Reichenbach qui ressaute. Reichenbach, il fait un peu le yo-yo en même temps, lui en demande beaucoup. On va pas demander à Godu de rouler, hein. Parce que nous, dans le. Enfin, nous, dans le jeu, on joue avec Godu et Bernal est. Le joue, enfin, remarque, je sais pas s'il le joue à bloc Bernal. Hein. Alors, Rui Costa, peut-être pour le tempo, pour les UAE. Non. Allez, les UAE. Ouais, ça fait vraiment faux tempo hein, depuis tout à l'heure. L'échappée est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot jaune. Ça roule pas très fort. Vanguard de Rennes, pour comment ça, pour Gilberto Urán. Non, non, ça. Ouais, ça roule vraiment. Enfin, c'est ça roule vraiment pas. C'est.
aura demandé à Reichenbach de rouler. Parce qu'en vrai, on peut maintenir l'écart. Il faudrait pas que ça prenne 3-4 minutes. Parce qu'après, on pourra. Lorsqu'on attaquera avec toute la barbe qu'on a là, enfin, clairement, je vous fais pas un dessin, ça fera. Ça fera une énorme attaque. Le problème, c'est qu'on peut pas attaquer maintenant parce que c'est pas assez pentu. Et on risque de se prendre un contre monumental. Donc c'est pour ça qu'on roule pas, on se tue pas à la tâche, on va dire. Donc on arrive dans cette fin d'étape, hein. Maintenant 32 bornes 2, Bookman devant, là ça roule. Là ça roule et il serait temps de mettre en place, hein. Parce que si vous voulez aller chercher l'étape, les gars, parce qu'on n'est peut-être pas les seuls à voir la victoire d'étape, si on dit nous on va faire rouler pour la victoire d'étape, mais non seulement c'est pas nous de faire rouler, enfin moi je fais rouler parce que je veux absolument la victoire d'étape, mais en théorie c'est pas à nous de faire rouler, hein, parce que bah en soi, enfin on n'est peut-être pas les seuls à voir la victoire d'étape et c'est pas à nous de reprendre du temps, hein. C'est Bookman et Rada devant. Alors, sacré Bookman, hein, putain. Hein. Non, voilà, ça roule et ça s'arrête. Là, ça repart. Non, ça a l'air. Non, là, ils ont l'air de continuer leur effort. On a demandé à Godu vraiment d'inciter, de bien rester dans les roues. Là, on va monter crescendo en pourcentage, hein. Vraiment, le début, c'est tout bleu. Ensuite, il y a des passages orange et la fin, c'est rouge. Allez, allez. Allez, Godu, on va lui demander de prendre son gel bleu, voilà, pour tenir. On l'a vu un peu sur la droite de la route. Il était un peu dans les choux, mais il faudrait juste qu'il. Ah, ça arrête de rouler. Mais non! Allez, Egg, continue, continue. Avec une forme comme ça. En vrai, attaquer là, ce serait pas suicidaire, mais on est très loin de l'arrivée. Après, je pense qu'on gagnerait quand même, mais. Et si on veut maximiser pardon, notre gain de temps, faut attaquer un peu plus loin. Les pourcentages un peu plus forts. Ouais. La fin du galibier est épique, hein, clairement. Là, c'est la partie plate un peu. Et là, on va attaquer les pourcentages. Donc là, on arrive au col sur la deuxième partie du col, un peu plus dur. Avec une fin en apothéose, j'ai envie de dire, vraiment pour tuer les résistants avec cette zone rouge. Hein. Godu est encore là. On est qu'à une 11, une 12, donc clairement, ça fera l'affaire pour la victoire d'étape. Enfin, je pense que ce sera un mec du peloton qui se la disputera. Est-ce qu'on sera les plus forts? Je sais pas. En tout cas, on gère vraiment en économie d'énergie. Là, c'est pas à nous d'attaquer, donc on peut se permettre. Mais c'est vraiment incroyable. C'est vraiment ça roule, ça roule plus, ça roule, ça roule plus. Un AG2R qui roule pour Romain Bardet. Romain Bardet qui, en vrai, là, a pris le maillot blanc un peu rouge, hein, en IRL. Hein. Donc c'est pas mal pour Romain. Ouais, c'est fait l'effort pour attraper l'échappée qui. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué quand vous avez tout un peloton derrière. Et Radalage d'ailleurs, il explose. Il laisse Bookman partir tout seul. Mollema qui attaque, je sais pas pourquoi il attaque Mollema. C'est très bizarre l'attaque de Mollema. Peut-être que c'est pour préparer à l'attaque de Porte. J'ai jamais vu ça dans le jeu. Un leader qui n'attaque pas. Ça devrait être mis d'ailleurs comme tactique, ça. Attention, un bout de poule, ce qui ne nous coince pas. Voilà, on était vigilants. Godu, ça va, il est encore pas trop mal. On va arriver à 5 bornes, on va bientôt pouvoir placer notre attaque. Hein. Parce que nous, quand on part, on se retournera pas.
son habitude, est classé hors catégorie. Allez, on va pas tarder à la mettre, l'attaque. Allez, on part. On part avec Thibaut Pinot. C'est parti. C'est parti. Allez, Thibaut, allez, allez. On est déjà revenu sur l'échappée, vous voyez. Ah, voilà, ça va très, très vite. Hein. On est très fort. Elles vont essayer de nous suivre, les deux, mais ils tiendront, allez, peut-être 200, 300 mètres. Voilà. Ça a déjà lâché, Mollema et Bookman. Ouais, donc là, on est parti. Hein. On est parti pour réaliser un... Peut-être pas un numéro, mais essayer de prendre, pourquoi pas, avec, de passer avec peut-être... déjà, de passer en tête seul serait bien. Thomas essaie de revenir. Hein. Groupe Thomas. Alors, c'est Dan Martin qui vraiment a giclé. Il a eu la giclette pour nous rattraper comme ça. Il faudra éviter qu'il rentre, en fait. Je pense qu'on va les attendre. Voilà, on va peut-être en remettre une. Parce que nous, notre dauphin, il est lâché. Je crois que c'était Nibali. Je sais plus si c'était Nibali ou Thomas, notre dauphin. Enfin, en tout cas, l'objectif, c'est de reprendre du temps sur Nibali et Thomas. Pour l'instant, Nibali, c'est chose qui est en train de se faire. Thomas, est-ce qu'il va rouler? Je sais pas. On va pas tarder à la mettre, la grosse attaque. Hein. On va en remettre une, évidemment. Là, on a une très grosse énergie bleue. Voilà, on se recharge notre barre rouge. Et on repart. Et on repart avec Thibaut Pinot. Ah ouais, celle-là, elle fait mal. Hein. Celle-là, elle fait très, très mal. À 34 à l'heure, c'est monstrueux. Et là, on va arriver dans les pourcentages très raides maintenant. Voilà, la fin, les plus raides en tout cas. Non, de peut-être, ouais, 11%, 12%. Voilà, on a peut-être un surplus de barre bleue. Ben, on va dire, on va pouvoir rouler dans ce début de descente. Et maintenant, on se jette dans la descente. 18 bornes, 7. Descente, enfin, 19 bornes, quoi. Hein, faut bien gérer les trajets. Hein. Là, clairement, faut pas faire la même descente qu'avec Rudy tout à l'heure. Allez, Thibaut, allez. Et ça serait pour une quatrième victoire d'étape avec la Groupama FDJ. Et alors avec Pinot, je sais plus. Ce serait peut-être la deuxième ou la troisième. Je sais plus, à vérifier. Et mais en tout cas, là, on gère plutôt bien ce début de descente. Pour reprendre du temps et pour s'assurer un match confortable. Parce que même si le maillot jaune, là, je m'inquiète pas trop. Mais ce serait bien de reprendre un peu de temps. Hein. Puis même éviter de se prendre un Thomas au sprint parce que j'ai pas confiance. Hein. Hey Thibaut, allez, allez. Allez, donc là on relance. Les bornes elles passent très vite en descente. Hein. Elles passent beaucoup plus vite qu'en montée, vous me direz. Enfin, qu'en montée évidemment, mais. C'est impressionnant comment le kilométrage il défile là. Après bien sûr on est... Je crois qu'il y a une échelle de 1 à 5 par rapport à la réalité. Donc quand vous faites 20 bornes dans le jeu, ça prend après le même temps que si vous en faisiez 4. C'est-à-dire qu'en gros 20 bornes de montée dans le jeu, c'est comme si vous faisiez... Enfin, comme si vous radiez à la télé 4 bornes de montée. Il me semble que le rapport c'est de 1 à 5. Allez Thibaut, allez, on passe sous large des 10 km. Ah, le maillot s'est plié. Hein. Le maillot jaune, on le gardera aujourd'hui. On va reprendre du temps. Et le truc sympa, c'est qu'on va... On va aller chercher une victoire d'étape. Une quatrième victoire d'étape avec Thibaut Pinot. Enfin, quatrième étape pour la Groupama FDJ, pas pour Thibaut. Allez, on fait l'effort dans la descente. Qui dans notre énergie bleue nous servira à rien puisqu'il y a ces faux plats descendants peut-être après, mais c'est plus trop du plat donc là vraiment ça va très vite. Donc on peut se permettre vraiment de. Regardez, on va. J'ai l'impression que l'arche des 10 km c'était il y a vraiment pas longtemps, on est déjà sous l'arche des 5 km. D'ailleurs, il y a un groupe Thomas Dan Martin à 1,45.
Nibali, il est à 2,55, donc on va réaliser un gros coup. Nibali, c'était Nibali le deuxième à 2,20. Écoutez, on va le mettre à quasiment 5 minutes, plus de 5 minutes. Est-ce que Thomas va prendre la deuxième place? C'est la question. Alors là, il y a un peu de plat, on peut rouler qu'à à peine plus de 50 km/h. Ah oui, là c'est sûr, là c'est sûr, on... Là c'est clair et net, la victoire d'étape passera pour nous. Eh bien, c'est une victoire Sauf chute anticipée encore, avec hein. une Même minute. chute, 1,45, c'est largement suffisant. On est au sprint pour reprendre évidemment des secondes et pour s'assurer vraiment un matelas au maillot jaune. Allez, voilà, donc ça fait plaisir, c'est la victoire d'étape pour Thibaut Pinot. Tout maintenant dans le dernier kilomètre. En jaune, c'est beau, c'est cool. On a bien géré, voilà, c'était. On va aller juste switcher sur David Godu, qui doit pas être trop loin. Il a 4 bandes 3, ok. Alors je sais pas si on est dans le groupe avec Bernal. Si, Bernal est à droite. Donc c'est bon, donc on reprendra pas de temps, il nous reprendra pas de temps. Après on peut peut-être essayer d'en mettre une, hein, mais Ah, donc là, c'est des pourcentages qui descendent. On va essayer d'en mettre une, pourquoi pas. Et je pense que ça va suivre. Hein. On va essayer de faire la même. Ouais, ça suit, ça suit. On va essayer de faire la même fin qu'avec Thibaut. Et Thomas fait 3, donc Dan Martin qui prend la deuxième place. Attention, ça passe. Non, on n'a pas fait d'écart. On n'a pas fait d'écart. Allez, allez, allez. On sait jamais. Peut-être ça va faire une cassure. Non, ils sont juste là. Bon, on finira dans le même temps, écoutez. Hein. Bernal finira juste devant nous. Là, on va pouvoir faire. Non, on va faire terminer l'étape. Voilà. Et le dernier est encore à William Bonnet. C'est notre William Bonnet. J'espère qu'il ne va pas finir hors délai. Parce qu'il est assez loin là quand même. Il est encore dans la montée là. Hein. Voilà. Là, je pense qu'il doit avoir basculé dans la descente. Voilà. Là, il a basculé dans la descente. C'est bon, ça défile. Voilà, 5 bornes, tranquille, voilà. Et donc on va aller sûrement, on va se retrouver là pour le. Voilà, pour le. Quand c'est le ralenti. Le ralenti, voilà. J'aurais bien aimé checker Thibaut Pinot. Je sais pas si j'avance ou si je recule là. Moi, je pense que j'avance. Ah, on est arrivé trop tôt. On est arrivé trop tôt, avec trop d'avance par rapport aux autres, on n'a pas pu voir notre ralenti. Donc victoire d'étape pour Thibaut Pinot. Voilà, maillot jaune évidemment. Maillot jaune conforté hein, pour Thibaut. Maillot vert pour maillot blanc par rouge pour Thibaut Pinot. On le prend le maillot blanc par rouge, ça c'est l'information. La belle information. Il fait plaisir hein, parce qu'on allait se le chercher évidemment. On a pris 25 points au sommet du Galibier et on est allé chercher 16 points au sommet de l'Izoard. Maillot blanc pour David Godu. Sans souci qui ne se fait pas prendre de temps par Bernal mais qui n'en prend pas non plus. Donc attention, Egan Bernal a surveillé jusqu'au bout, hein, bien sûr, le coureur colombien de la Ineos. Et donc il reste plus que 2 étapes dans ce Tour de France pour conserver le maillot jaune, en espérant qu'Alaphilippe le conserve en IRL également. Ça va être une guerre jusqu'au bout, hein, clairement. Donc on remporte cette étape avec quand même 1,47 d'avance sur nos poursuivants, 2,43 sur le troisième groupe. Voilà, donc on fait juste la petite sauvegarde, voilà. Donc Nibali, oh, il prend cher Nibali, 2,43. Je l'ai vu à 2,43. Et le général, du coup, 5,13 pour Nibali, 5,19 pour Thomas. Ils se tenaient dans 6 secondes, les deux coureurs. Donc pour le podium, la deuxième, troisième place, rien n'est joué. Après, pour le podium, je pense, c'est plié pour les deux. Après, c'est juste l'ordre. Est-ce que Nibali va battre Thomas ou est-ce que Thomas va battre Nibali? On verra ça. Au maillot vert, on est bien en vrai avec Thibaut Pinot. On devrait reprendre des points encore, donc attention.
Peut-être on jouera avec Pino sur la fin. Et ouais, classement par équipe, on n'est pas loin. On n'est qu'à 1,50. C'est trop rien, 1,50. Hein. En vrai, c'est jouable. Hein. Et le classement de la combativité, bon, on aura du mal à aller chercher celui-là. Avec des marquis et ses nombreux points. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir cette vidéo. On se dit donc à demain pour la 19e, la 19e étape, pardon, de ce Tour de France. En parallèle donc du vrai avec Alaphilippe en jaune en IRL. Donc écoutez, j'espère que l'aventure de Alaphilippe va se continuer. Et puis bah moi je vous dis bah du coup à demain. Allez, tchuss!